Voilà, et ben c'est parti, à tout à l'heure, bon film. Je retournerai de l'autre côté de la mer et je délivrerai la fée des djinns et je l'épouserai. Non, c'est moi qui l'épouserai. T'as pas le droit. Si, j'ai le droit. De toute façon, c'est moi le plus fort. C'est même pas vrai. Tu vas voir. Elle te met ça, Yala. Vas-y, la flèche, plus vite. Le premier film que vous avez vu au cinéma, dans le cadre d'école et cinéma, c'était quoi? Vous vous souvenez? Le Prince Ahmed. Le Prince Ahmed. Alors, il était comment, lui? En noir et blanc, en couleur? C'est... Alors, vous regardez. Regardez l'affiche qui est projetée. Qu'est-ce qu'on voit sur cette affiche? Les spectateurs, ils sont avec des vêtements, avec des couleurs. Et le film, il est en noir et blanc. Oui. Cinématographe Lumière. Mais est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose d'autre? Oui. Les frères Lumière. Exactement. Et c'est qui ces frères Lumière? C'est eux qui ont inventé le cinéma. Oui, alors pour la France, hein, parce qu'il y en a d'autres hein, qui ont inventé. On regarde. Donc ça a été tourné dans la propriété des frères Lumière et c'est leur vrai jardinier. On est passé avec le cinéma, des plaques donc, qui étaient comme ça, en verre, à de la pellicule. Souvent, c'était les mêmes ateliers qui, autrefois, préparaient donc, les plaques de lanterne, hein, qui se sont mis à mettre de la couleur sur cette pellicule. Là, Charlot, il est triste parce qu'il a oublié les paroles de sa chanson. Son ami, il lui écrit les paroles sur ses manchettes. Il arrive sur scène, il est étonné parce qu'il perd ses manchettes. Puis après, il se met à chanter n'importe quoi. D'accord. Je me souviens plus de quel film de Charlot. Tu te souviens, toi? Les réalisateurs, est-ce que vous pouvez lever la main? Tous les réalisateurs par table. Les acteurs. Alors là, les acteurs, on en a beaucoup. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les acteurs? T'as une idée? Non. Non? Tu veux l'aider à... Quelqu'un veut l'aider? Faut connaître un texte par cœur et savoir ce qu'il faut dire. C'est ça, savoir ce qu'il et faut savoir dire. Ce qu'il faut faire. Savoir ce qu'il faut faire. Et on a aussi, qu'est-ce qu'on peut avoir pour nous aider? On a les costumes. 1, 2, 3. Bonjour Asma, je suis venue. Je suis heureux de te voir. Pas moi, que viens-tu faire ici? Je suis venue te saluer. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Tu peux partir maintenant? C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi, j'y vais. J'en ai marre. Bah ouais, je pense qu'on recommence du tout début. Et Bon, ça te dérange pas de jouer une fille? Non, moi je fais bien, mais garçon. C'est pas grave. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais attention, c'est que du cinéma. Ouais. Allez, Naomi, tu dis action. Allez. Action. Partez. Viens, Asmar. Qu'est-ce qui vous semble difficile quand on est réalisateur? J'ai juste trouvé qu'être réalisateur, du coup, c'était beaucoup de travail parce que tu dois prendre toute l'équipe en charge, tu dois vérifier ce qui va pas, tu dois t'occuper de tout un peu. Moi, j'ai trouvé que Naomi, elle avait un peu... Elle n'avait pas tout fait en tant que travail de réalisateur parce que des fois, j'avais l'impression qu'elle était un peu dans les rêves au lieu de nous aider pour l'histoire. Du coup, après, je pense qu'on s'est un peu partagé le rôle de réalisateur, mais sinon, elle l'a fait plus que moi. Bah, le chef opérateur, il travaille beaucoup en fait avec le réalisateur. C'est pour ça que vous avez beaucoup travaillé ensemble. Puisque elle devait te dire un petit peu comment est-ce qu'elle imaginait le film. Et hop, toi, tu devais
le concrétiser en image avec le cadre. Donc c'est pour ça que vous avez beaucoup travaillé ensemble et que tu as eu l'impression d'être un petit peu réalisatrice. Toi, mon snap, c'est Yacine, tiré du bas. Non, tiré du milieu. STC, tiré du milieu. Dans le cadre du festival Travelling, il y a 4 films au programme. En rentrant au collège, vous allez pouvoir délibérer entre vous, retenir le film que la classe préfère. Tu me connais bien, moi pas tant que ça, je me cherche encore dans ce chaos. T'es ma lumière, des jours trop courts, mon phare au loin, mon cœur d'amour. Ce gouvernement il me fait tellement chier que je vais investir dans un broyeur. Pendant que les tames torpilles, non, je résiste, je suis qu'un tirailleur. Dis bien ceux qui veulent pas d'homme, je sors, je les pille et je me tire ailleurs. Alors propre ou pas? C'est bien, c'est bien. Voilà. Et ça veut dire quoi quand tu fais tes doigts comme ça? Ah, quand je fais ça, tout ça? Ouais. Ah, ben, ça veut dire en mode, je sais pas, on est là, quoi. On est où? Ben, t'as volé. De toute façon, on fait tous des conneries. C'est ça, la vie. Dans une vie, s'il n'y a pas de conneries, c'est pas une vie. Ben, toi, t'as pas dû en faire beaucoup. Bien sûr que si, hein. Votre but, c'est de convaincre les autres que c'est le film pour lequel il faut voter. D'accord? Ok. Donc essayez de voir ce qui vous a plu. J'ai que des critiques négatives. La personne d'Ahmed, sa personnalité, sa manière de parler, son accent, c'est comme ça. C'est ça, les films humoristes que j'aime. C'est ça le genre de film que tu aimes. Saucesse, pourquoi celui-là? C'était bien, c'était mieux que les autres. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que ce monsieur venait donc de l'étranger pour venir travailler en France et que quand même beaucoup d'entre vous, vos parents ou vos grands-parents viennent d'ailleurs, est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est pour ça qu'il vous a plu? C'est vraiment une question. Vous connaissez des histoires comme ça de gens qui, de vos ancêtres tout simplement, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents? Royal, vas-y, raconte un petit peu. Ouais, c'est ma grand-mère, vu qu'elle est à Mayotte. Des fois, je l'appelle, elle me dit bonjour, comment ça va, tout ça. D'accord. Zera, tu penses qu'il y a des gens qui viennent en France et qui ne repartent pas? Pour quelles raisons ils peuvent souhaiter rester? Bah, ici, c'est plus facile de vivre ici, en Europe. Ici, c'est plus évolué que en Afrique. Mmh. Il y a la technologie. Technologie, il y a les téléphones. C'est pas les petits bigots là où on attache pas. Tu penses que c'est pour ça qu'on choisit la France pour les téléphones? Mais non, mais genre, c'est richesse. Plus évolué. C'est. Tu vas pas voir des Mercedes. Des fois, c'est difficile dans tes pays pour les femmes. Et que. Il faut faire quelque chose pour ça. Et en plus, bah, dans le film, bah, celle qui a réalisé, bah, c'est aussi le personnage principal. C'est-à-dire que Sonia, là, par exemple, bah, c'est elle qui a fait le film. Donc elle joue et elle crée. Bah, du coup, bah, c'est bien parce que je pense pas qu'en Albanie, il y a vraiment y a beaucoup de femmes réalisatrices. Et une critique, en fait, c'est un très bon film, très bien réalisé. Et voilà. Ahmed, c'est une vieille personne qui travaille dans un service de douche. Nous vous conseillons de voir ce film parce que c'est, enfin, ce court-métrage, parce que c'est un film avec beaucoup de messages, parce que ça montre à quel point la différence de génération n'influe pas sur la qualité d'une relation entre deux personnes, quoi. Levez la main ceux qui votent pour Rap Night. My name is Soniela. Ok, le chant d'Ahmed. Ok, allez, merci beaucoup et bon appétit. Quand j'appuie sur le bouton rouge, tu as la tête de lecture qui revient quelques secondes avant. Et après, tu as le sous-titre qui apparaît et c'est à toi de parler. Tu peux soit parler avec ta voix naturelle, soit tu lui fais un effet Bugs Bunny, c'est comme tu veux. Tu vois comment il parle, Bugs Bunny? Oh, vas-y. Tu lui dis, ça peut être dangereux, vous savez. T'es prêt? Oui. C'est parti.
Ça peut être dangereux, vous savez. Super. Ouais, pas mal. Je vais être bien synchro. Ok, très bien. Ah ouais, bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, mais c'est pas... Et c'est pas facile hein, ce qu'on vous demande. C'est une actrice en fait. Super, bravo Dometti, merci beaucoup. Alors, ceux qui jouent la comédie, okay. Ouais, vous mettez là. Je vous ai imprimé les textes. Oh oui, trop bien. En fait, vous, votre travail, c'est un travail de mise en scène, d'accord ? Pour démarrer, le premier plan... Vas-y, cherche, je pense que... Oui, c'est ces deux-là. Donc voilà. Ok, ça marche ? Ouais. Donc celui-ci, ça serait le plan 1, il viendrait là. Il n'y a pas quand il se lève. Ouais, donc c'est ça va être celle-ci en première et celle-ci. Tu vois, monsieur ici, Fernand, là tu es en train de le filmer un peu de côté. Moi je pense que il doit être un peu plus de face. Comment est-ce que tu fais pour le filmer plus de face? Je me mets comme ça. Lui? Là, tu crois que tu es en train de le filmer de face? Non, lui. Non, ah non, de lui. Ok, aidez-le. Vous avez le droit d'être plusieurs à aider. Hein. Je le trouve au goût de pomme. Il y en a. Stop. On l'a refait. Vous avez non, parlé. Non, oh, vous êtes allez. Bien pris, là. Ouais, voilà. Vas-y. Silence, moteur. Scène tout. Des tontons flingueurs, plan 4, prise 1. Action. Faut reconnaître, c'est du brutal. Vous avez raison, il est curieux, hein. Coupé. Elle était très bien. Quand on fait de la lumière, faut partir du noir. Et on allume un premier projecteur. Moi, j'adore le contre-jour, hein. Je le trouve magnifique. Je sens qu'on a une future directrice de la photo. Plus fort. Là. Voilà, je le mets à fond, mais tu peux le mettre moins fort. Et voilà, tu peux... Là, tu vas voir tout de suite que tu vas changer les choses. Ce ne sera pas forcément mieux, mais ce sera différent. C'est ça que je veux vous montrer. Il faut que tu l'approches, en fait, au plus près. Regardez. Est-ce que ça change quelque chose à la caméra ou pas? Ah, ça change un petit peu là. C'est un petit peu mieux là. Ouais. Action. Déjà. Monsieur Henri. Regardez ce que vous avez là. Avec le passage. Non seulement vous pouvez cacher tout le décor qui ne vous intéresse pas, vous avez la porte, vous pouvez faire tout le truc avec le jeu des comédiens que vous pouvez mettre là, même si... et vous voyez, comme ça, hop, d'accord? Essayez de, au lieu de vous cacher, vous planquer dans un coin, essayez d'avoir l'envergure du truc. Et mettez-vous bien dans la lumière. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et après, c'est dans la lumière que... Ouais. 3 sur 6, troisième.
là. Ne me dites pas que Monsieur Henri a une mauvaise influence sur vous. Mais où êtes-vous ? Allez, super. Allez, on y va. On sort, on éteint les projos. Ah, on a moins d'une demi-heure. On y va, c'est parti. Et là, on a encore deux scènes. Mais c'est pas grave, on va y arriver. On a encore deux scènes. Ouais, je veux dire, on a encore la scène. Il faut qu'on ferme la porte. Ah bah là. Vraiment, faut pas qu'on oublie la porte. Ah bah là, on peut pas. Hein. Faut qu'on ferme la porte, on est obligé de fermer la porte. Bon, on y va. Rapidement. L'église abbatiale, dans toute sa splendeur. Est-ce qu'on n'a pas le temps de la refaire? On n'a pas le temps de la refaire parce que tu veux faire une scène de porte et il faut faire la scène où il joue. Est-ce qu'on ne peut pas du coup juste faire un plan sur elle qui panique? Ça va pas prendre beaucoup de temps. Caméra épaule. Merci beaucoup. C'est à vous, je crois. Nous avons trouvé que l'héroïne avait du courage, était partageuse et très sympa. On a aimé la créativité dans les personnages et les décors faits avec des objets réels. Le gagnant du prix École et Cinéma Cycle 2 est... Roulement de tambour. Cœur fondant de Benoît Chieux. On peut facilement se projeter dans le film, car si une histoire réelle, ça peut nous arriver à nous comme à vous. Les deux personnages ont une vie compliquée, mais ils sont allés au bout de leur rêve, donc ça nous incite à faire de même. Ce collège est attribué à Le Chant d'Ahmed de Fouad Mansour. Alors, Fred Monceau n'est pas là. Ils nous ont envoyé une courte vidéo pour remercier les jurys. On vient de nous annoncer que Le Chant d'Ahmed avait remporté un prix au Festival Travelling de Rennes, le prix Collège au cinéma. Ce sont des élèves de 3e et 4e qui nous ont récompensés. Donc on est super contents. Nijet ne joue pas dans le film, mais c'est mon premier supporter. Il a vu le film plusieurs fois. Donc voilà, on est très contents. Hein, dis-leur que je suis parti travailler avec eux la dernière fois. Voilà, et donc il est parti travailler la dernière fois. Et on est très très heureux que ce film ait touché les adolescents, les classes de 4e, 3e. Il me touche d'autant plus que c'est pour moi la génération la plus intelligente. On est au sommet de son impertinence et de sa pertinence. On est vraiment triste de ne pas être parmi vous, mais ça c'est un peu l'histoire de ma vie. Dès qu'il se passe des choses bien, je ne suis pas là. Bon, tu commences à t'ennuyer, donc on va abréger les remerciements. Bonne soirée à vous, amusez-vous bien, et j'espère qu'on viendra vous voir à tous les quatre. Bonne soirée. Au revoir. Fin de tournage, merci à tous d'être venus, merci à l'équipe d'avoir participé, merci aux acteurs d'avoir accepté de se les cahier. Merci Claire, merci du coup Nathan, merci Maëlle, et merci à tout le monde, merci Lydia, merci Julie et monsieur d'être là, c'est sympa alors du coup cette idée de mise en abîme. Donc merci à tout le monde, merci à ma mère qui est quand même là, qui porte les réflecteurs. Donc merci à vous, et c'était un très bon tournage, une très bonne expérience. Allez, bravo à tous! En route!